Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de votre fidélité à Dioma FM, Dioma Media, Dioma TV. C'est comme vous le voulez, hein. C'est toute une équipe et c'est tout un média qui est à votre service. Dioma FM, la 93.1 et Dioma TV sur canal 244. Nous sommes ensemble pour 1h30 comme un match de football, plus le temps additionnel pour vous servir sportivement parlant. Ici, c'est un match de prestige historique, mais aussi un match pour la vie. Et la Guinée était opposée à l'une des équipes les plus performantes de la planète et tout simplement l'équipe la plus titrée en Coupe du Monde. Le Brésil qui affrontait donc notre Sili National, c'était une première chez les seniors. Et donc la Guinée qui s'incline logiquement sur le score de 4 buts à 1 entre défaite et saignée financière. On parle de plus de 3 milliards de francs guinéens qui auraient été sortis dans les caisses de l'État pour cette rencontre. Pour quel intérêt? Et pour en parler, nous avons dans ce studio quasiment tout le parterre de la section sportive de Dioma, avec notamment Mohamed Lamine Touré. Bonsoir. Bonsoir Al-Gassim, et bonsoir à tous. Moussa Sifa Camara, bonsoir. Oui, bonsoir Al-Gassim, et bonsoir au retour dans ce studio. Ah ouais, le retour, mais c'est un retour éphémère, malheureusement. Exceptionnel. Ouais, exceptionnel, mais éphémère. Malheureusement, donc c'est pourquoi il ne faudrait pas trop s'emporter. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Allez, Ousmane Massari, bonsoir. Bonsoir, c'est vous êtes plaisir. Bien en place. Donc, bien vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Le retour éphémère. Allez. Mariam Cheikh Mara. Je suis toujours chez moi. Bonsoir. Ah oui, à tous. Bonsoir, Al-Gassim. Sauf que c'est un retour éphémère. On éphémère, est d'accord. Mais je suis quand même chez moi. Bah, évidemment, mais on n'a pas dit le contraire. Elle est à la maison. Qu'on a dit, c'est un retour éphémère. Hein. C'est comme Messi annoncé au FC Barcelone. Voilà. Sauf que c'est pas pareil. Qui a décidé de partir ailleurs. Et oui, on va forcément parler de ça parce que c'est un sujet vraiment très sérieux. Voilà, la Guinée qui s'incline. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Et puis, l'autre sujet de ce menu, c'est ce jour de sacre attendu pour le Afia Football Club de Conakry. Les Verts et Blancs affrontent la flamme olympique. Le match a démarré depuis quelques minutes. Et oui, c'est au stade Petit Souri que ça se passe. 38 ans après, le tricampéo pourrait soulever son 15e sacre national ce dimanche. 16e. Nous aurons le 16e. 15e. D'accord. Le 16e. D'accord. Si c'est fait. Il n'y a pas de problème. Si c'est fait. Hein. D'accord. On reste stagné à 15 pour l'instant. Si c'est fait, ce sera le 16e. Je vous le concède. Messieurs, nous aurons en direct et en intégralité nos envoyés spéciaux qui sont au stade Mohamed Chérif Sou et Mamadou Bailo Sila. Hein. Voilà. Pour toute la logistique déployée pour vous faire vivre ce moment historique pour le AFIA, puisque nous, on n'a pas connu ça. Voilà. Moi, je n'ai vraiment pas connu de sacre du AFIA en championnat. On m'a parlé de AFIA. Tu étais encore gamin. En 1985. Je n'existais même pas encore. Ah bon, encore? Toi, tu avais quel âge en ce moment? Mon Dieu. Tu avais quel âge? En 85. En 1985. Je n'existais pas encore. Voilà. Même moi, je n'étais pas. En 1985. Non, non. Si, moi, j'étais là déjà, mais bon. Voilà. Petit. Ouais. Petit. Allez, donc on en parlera tout à l'heure. On va dépoussiérer les souvenirs dans Dioma Sport et dans cette émission. Nous parlerons aussi des qualifs Zone Afrique, puisqu'il y a de belles surprises qui s'y passent et qui sont en perspective. La Guinée n'est pas qualifiée sur le terrain pour l'instant. Ça pourrait l'être sans y avoir joué dans deux jours, si toutefois l'Éthiopie parvenait à faire le boulot à la place du Sili National. C'est ce qu'on souhaite. Nous allons marquer une pause. On revient dans un instant. La technique est tenue de main de maître par Monsieur Simaka Mohamed Lamine côté radio et puis Monsieur Sekou Laré et Didier Goumou côté régie télé. Nous, on se retrouve dans un instant pour démarrer Dioma Sport. Vivez votre passion du sport sur Dioma FM. Et on l'a dit, hein, elle est là de façon exceptionnelle et c'est pour une très bonne raison, puisque dans la deuxième partie de Dioma Sport, nous aurons comme invité la jeune pépite guinéenne Ousmane Camara qui évolue aux Émirats Arabes Unis dans le club appelé Sharjah FC. Voilà, c'est comme ça le nom du club, Sharjah. Justement, parce que j'ai vu Sharjah, mais il n'y a pas déjà en arabe.
C'est Sadia. Mm-hmm. Sadia. Non, en tout cas, lui, il viendra nous Sadia, dire le nom, ouais, ouais. Le nom du club. N'est-ce pas oui, Oustaz, oui, c'est ça, non? Ça n'existe pas. Voilà. Bien. Donc maintenant, on a des imams charge. Dans le studio. Charge. Voilà. Donc, charge. On va revenir dans la deuxième partie avec Ousmane Camara sous les coups de 17h pour parler de son aventure footballistique. On a vu des images. Vous en aurez aussi plein les yeux, chers téléspectateurs, et vous saurez évidemment que c'est vraiment une pépite. On ne le dit pas pour le dire. Et messieurs, nous allons revenir dans ce studio pour parler de cette rencontre Guinée-Brésil. C'était à Barcelone, en Espagne. Et donc, à l'arrivée, on le savait sur le papier que le Brésil était largement devant la Guinée. C'est une équipe, je ne pense pas qu'il y ait deux ou trois équipes dans le monde qui peuvent être mises favorites devant le Brésil dans le football. Mais bon, la Guinée était encore un temps très au-dessous. Ça, c'est dans le passé, maintenant. Oui, la France, l'Argentine. C'est ce que j'ai dit, il n'y a pas plus de deux ou trois équipes qui peuvent être. La France et l'Argentine en ce moment face au Brésil, c'est occasionnel. Oui, battre le Brésil, ça l'information, mais le Brésil te bat. Je suis d'accord avec lui, c'est le nom. C'est le nom, parce que le Brésil, quand même, c'est une Coupe du Monde. Non, le Brésil d'antan est celui. Aujourd'hui, cette équipe brésilienne face à l'Argentine ou à la France, je parie que l'Argentine ou la France va gagner. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Suivant, moi, en tout cas, vous me demandez. Maintenant, revenant sur cette rencontre, vous savez que c'est toujours bien, comme je l'ai dit, c'est toujours bien et beau d'affronter les grandes nations, puisque quand on veut être grand, on dit qu'il faut se frotter au grand, il faut se mesurer au grand. Donc, le Sélection nationale de Guinée est encore petit, est en train de devenir, rêver à devenir grand. Donc, ce match, il était en tout cas le bienvenu. C'est vrai, certains avaient dit non, c'est juste pour sortir de l'argent, c'est juste pour aller peut-être faire de la figuration, c'est juste pour la visibilité. Mais moi, en tout cas, j'avais tellement apprécié. La visibilité, oui. La visibilité sortir pour la Guinée aussi, oui. Oui, sortir l'argent, oui. La visibilité, oui. Et surtout pour le branding national aussi. Pour le branding national. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure visibilité aujourd'hui qu'on puisse offrir à la Guinée. Le Brésil, quand même, c'est l'équipe qui est suivie par c'est une vitrine. Une vitrine. Aujourd'hui, la vitrine est là. Le Brésil, il y a aussi le Real Madrid. Vous avez vu le Real Madrid qui a posté une photo. Et le Real Madrid, c'est plus de 100 millions de vues, s'il vous plaît. Donc, ça veut dire que la Guinée, hier. Beaucoup, peut-être dans le monde, ne connaissaient pas la Guinée existait, mais aujourd'hui, à travers ce match amical, bien sûr, à travers ce match amical, beaucoup ont découvert que oui, il y a un pays qui s'appelle la Guinée et qui a joué, qui s'est frotté au Brésil. Et il y en a qui connaissent Nabi Keita, mais qui ne savaient pas son pays, peut-être. Voilà, hier, aujourd'hui. C'est trop maladroit de voir un joueur jouer, ne connaît pas connaître son pays. Ça peut arriver. Comment ils ont su? Vous savez, moi, l'identité de la Guinée, c'est pas Nabi Keita. C'est le cas de Milan Skriniar. Vous ne connaissez pas? Seulement, il y a une semaine, j'ai su qu'il est slovaque. J'ai pensé toujours qu'il était serbe. C'est ça. Moi, je suis de la matière. Al-Gassimo, en gros, le match amical, moi, je l'ai vraiment apprécié parce que je l'ai dit, à la visibilité qui était là. Maintenant, on reviendra sur tous les contours, l'argent qui est sorti et autres là. Déjà, donc, en gros, le match, il était important pour la Guinée. Ouais. Maintenant, la prestation en première mi-temps, on a vu un Sili, en tout cas, qui était ambitieux, un Sili qui était un peu audacieux, sauf qu'après... Comme ça a été le cas du match contre l'Égypte, après 60 minutes, on a complètement donc chaviré. Le plan physique, on a compris, surtout le Brésil aussi, c'est le haut niveau. Et le Brésil donc nous a attendu. Et voilà, le score 4-1 reflète largement la physionomie donc de cette rencontre. Largement, il a dit. Bien sûr. Le score reflète largement le niveau du match. Moi je ne parle pas du score. Ça, c'était connu bien avant. Mais quand j'entends les gens... Le score n'était pas connu, 4-1. Non. Le Brésil allait gagner, on savait ça. C'était, on cherchait maintenant à savoir quel allait être le score. Le score. Oui. C'est 7. Moi, pour la Guinée, il fallait limiter la tasse. Moi, je pensais que ça allait être 10, 8, 7 comme ça. Mais heureusement, attention, on n'est pas quand même Salvador ou Gibraltar. Je pensais un peu à ça. C'est possible. Moussa Sefa. Maintenant, quand j'entends lui glorifier ce match, il parle de visibilité, il refuse d'admettre les sorties frauduleuses d'argent des caisses de l'État guinéen. Comment on me dit 3 milliards pour. Faire comprendre ça, les gens. Ce sont les spéculations. Al-Gassimo, je rappelle qu'on a été invité. C'est pas la Guinée qui a organisé le match. Oui. Donc la Guinée, selon les responsables. Selon le responsable du département communication qui moi avec lequel j'ai échangé, il m'a dit c'est juste la liaison qu'on a créée Casa Barcelone qui a été payée et trois nuitées. Donc cela veut dire que
toutes les autres dépenses ont été prises en charge par le Brésil, puisque c'est le Brésil qui nous invite. Faisons la différence. Quand un pays t'invite, donc toi, tu ne paieras que le billet d'avion et donc l'hôtel. Donc tout ce qui est lié à l'organisation, la Guinée n'a rien payé, selon les informations qu'ils ont. C'est pour te dire que l'organisation, déjà que vous avez payé la billetterie et l'hôtellerie. Oui, dedans. Ça, c'est l'argent. Je suis d'accord que cet argent pouvait servir à autre chose. Je suis d'accord, mais il ne faut pas aussi. On joue quand même le Brésil, messieurs. On joue quand même le Brésil. Oui, mais donc il faut accepter. Et puis, attends, là où tu vas comprendre qu'on était un peu dubitatif sur cette histoire, Brésil-Guinée, on n'a même pas suffisamment communiqué là-dessus. Ça se honte. Si vous avez remarqué, sinon, en principe, une telle rencontre de haut niveau, la Guinée devrait communiquer largement dessus. Mais ce n'est pas fait. Si vous remarquez très bien, ça c'est un premier aspect. Oui. Même nous, on était dans ces va-et-vient, est-ce que ça aura lieu, oui ou non, est-ce que c'est possible? Parce que personne n'y pensait, c'était un rêve pour les gens. Et par ricochet, on nous a fait croire du côté du Conor que c'était eux qui étaient devant. C'est lors de la conférence de presse de Kaba Diawara, il nous a signifié clairement, c'est lui qui a négocié le match, où c'est passé par... C'est lui qui a fait des manigances dans les couloirs pour que le match ait lieu. Ça, je peux comprendre. Mais dire qu'il n'y a pas eu sortie d'argent, ça c'est archi faux. D'accord. C'est pas vrai. Oui. C'est pas vrai. Oui. Moi, dire qu'on a été pris en charge, et si on était même bien organisé, sur nous, à Conakry, on avait un stade pour accueillir le Brésil, on allait profiter plus que cela. En termes de divisibilité, on peut me dire, oui, c'est le Brésil, la Guinée a joué contre le Brésil. Je peux comprendre un peu à 30%. Mais dire que oui, la Guinée a été connue. La Guinée a été connue depuis 1958. La Guinée a été connue à travers les prestations du AFIA à l'Afrique, à travers l'Afrique. Les triples champions de Guinée, d'Afrique. La Guinée a été connue par cela. La Guinée a été connue par les prouesses de comment nous avons eu l'indépendance. Ça, c'est l'Afrique. Quand monsieur, on revient ça aujourd'hui, personne ne connaît la Guinée. Personne ne connaît la Guinée. C'est trop dit. Certains. Il faut dire juste les gens ont trouvé des moyens pour profiter pour aller jouer ce match. Ça ne peut pas être un bon argument. Moi, je l'estime comme ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce qui a été effectué comme dépense, on aurait pu financer cela pour terminer notre stade d'ici. Je suis d'accord. Ou bien améliorer la situation du stade du 28 septembre pour recevoir nos matchs, pour arrêter des saignées financières qui pèsent beaucoup sur le pays aujourd'hui. Mais vous vous glorifiez de ce match. Mais ce n'est pas suffisant quand même. Vous êtes face à quel pays? Face au Brésil, 5 fois champion du monde. Vous avez quoi apprendre? Vous avez appris quoi? Rien. On a appris. On peut apprendre avec la Sierra Leone. On peut apprendre avec la Guinée-Bissau. On peut apprendre avec d'autres pays. Je suis désolé. C'est pas le même calibre. Mais je suis désolé quand même. En soi, quand même, c'est pas un exploit de jouer contre le Brésil, mais c'est quand même un grand pas pour le football. C'est quand même un grand pas pour le football guinéen parce qu'on parle quand même de l'une des plus grandes nations du football mondial, je tiens à le signaler. Après, il ne faut pas aussi voir l'aspect football de ce match, de cette rencontre. Il faut voir aussi l'aspect marketing du match. Comme l'a si bien dit Mohamed Lamine Touré, dire qu'à travers ce match, la Guinée aussi a gagné en termes de visibilité. Et le Brésil aussi a profité parce qu'à travers cette rencontre, ils ont fait leur campagne de sensibilisation contre le racisme. Oui. Ça, c'est un atout. Après, c'est un match de football, c'est vrai, mais le football, ce n'est pas seulement que le ballon rond. Il s'agit aussi du marketing et tout ce qui va avec. Il y a des valeurs sur le plan culturel. Le Brésil a profité. Maintenant, en termes de marketing et de visibilité, la Guinée aussi a profité. Parce qu'aujourd'hui, on a vu que la Guinée, le drapeau guinéen a un peu flotté à côté du Brésil dans toutes les grandes presses internationales. Oui. Donc déjà, ça, c'était une belle opportunité quand même. Oui. Évidemment, c'était une très belle opportunité. Oui. Donc, on ne peut pas dire carrément que c'était un exploit parce que l'argent qu'on a déployé pour aller jouer ce match, on pouvait investir pour construire des infrastructures en Guinée. Mais pas mal de personnes, quand même, ont profité de ce match, de cette rencontre, pour aller découvrir. Donc, c'était aussi bien tant sur le côté réseautage aussi, marketing et tout ce qui s'ensuit, mais il fallait quand même qu'on aille au moins un stade qui est homologué. Moi, par exemple, hier, quand j'ai suivi le match en streaming, parce que malheureusement, je n'ai pas suivi sur la RTG, donc quand j'ai suivi en streaming, j'ai vu que la radio, la télévision qui a transmis le match en direct, c'est une télé haïtienne ou martiniquaine, elle était en train de parler de l'histoire même de la Guinée, son indépendance, ses prouesses, comme il a si bien dit. Donc, à travers ça, les gens qui ne connaissaient pas la Guinée, à travers ce match, ont connu
ont connu notre équipe nationale. Donc, je me dis très bien que c'était une très belle opportunité. Et même s'il y a des spéculations autour de cette rencontre qui disent que, franchement, il y a assez d'argent qui ont été débloqués au niveau de l'État. Donc, on va dire quand même que les déplacements, c'est coûteux. Parlons d'un billet de la Guinée à la en Espagne. C'est quand même coûteux. Et il y a beaucoup de personnes qui ont profité quand même. Donc, pour la négociation, je ne suis pas vraiment sûre que la Guinée a mis de l'argent pour négocier ce match. Parce que Kaba, lui-même, il a dit qu'il a négocié lui-même sans s'en vanter, bien sûr. Bon, en même temps, le 10 ans, c'est souvent aussi. Hein. C'est mis en avant. Parce que chacun est en train de se taper la poitrine. Non, mais il a raison. J'ai aimé sa réaction. Quand on joue un match contre le Brésil, j'ai aimé sa réaction parce que ça a permis d'éclairer de l'opinion. Certains disaient c'est le Connor, certains disaient c'est le département. Bon, elle a un peu touché des points, peut-être que j'estime un peu bien, côté marketing. Elle a touché des points bien. Oui, bon, certain. L'avouer quand même. Mais quand il parle de surtout du racisme, ça m'a marqué. Le geste des joueurs bien avant le match, ça m'a marqué. Évidemment. Moi, je ne peux pas comprendre au 21e siècle, jusqu'à présent, qu'on compare un être humain à un singe. Je suis désolé. Nous sommes Africains, on restera Africains. Même si c'est, on même est si, né en Afrique et si on préfère on cette a, Afrique. On nous a toujours fait comprendre quand même en science que l'ancien de l'humain, c'est le singe. Le singe. Voilà. Ah, mais on vient tous l'homo sapiens. Donc, même les blancs aussi, évidemment. Ils sont tous de la même chose. Donc, je ne peux pas comprendre jusqu'à ce niveau. Et ce qui me cœur de plus. Maintenant, à côté, il y a d'autres qui ont profité des personnalités de ce pays. Je ne peux pas comprendre. On va en parler, s'il vous plaît. Je vais d'abord écouter Ousmane Mansari sur le match. Ousmane Mansari, le match en soi, est-ce que vous vous attendiez aussi à un tel score, Fleuve? 4-1 pour le Brésil contre la Guinée. Mais bien sûr. Vous attendiez à un tel écart. Mais bien sûr, parce que si toutefois que... Je ne sais pas, je tombe de nuit. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a que de mauvais Guinéens dans ce match. Non, pas ça, il faudrait qu'on soit clair. Il faudrait qu'on soit clair. Pour ceux qui s'attendaient quand même à un match fleuve, moi je l'ai dit, qu'il change de nationalité, parce que sincèrement, vouloir penser que 20 buts ou 30 buts dans un seul match, c'est quand même limite humiliant. C'était lors de la 5e journée des éliminatoires face à l'Égypte. La Guinée n'a pas pu convaincre son public. Et face au Brésil, le champion du monde, une telle nation comme le Brésil, je pense bien que même si la Guinée pourra être une équipe pour titiller en tout cas cette nation, mais je pense bien que dans ce quart d'heure, forcément la Guinée va trébucher. C'est ce qui a été fait. Au quart d'heure de la Guinée, le Brésil a marqué 2 fois. Imaginez. Donc je pense bien que on a une équipe, on est en construction, en reconstruction, parce que déjà Kaba, et je me permets de le dire, Kaba n'a pas un vécu dans le football, n'a pas un vécu en matière de coaching. D'accord. Donc si toutefois que vous vous misez sur un tel entraîneur et vous vous focalisez à un bon résultat, mon frère, nous sommes Guinéens, on se trompe. Et nous sommes des observateurs, il faudrait qu'on dénonce une façon, parce que mon ami l'a signé tout de suite, j'ai beaucoup aimé. Oui, le marketing, ça va bien. Guinée-Brésil, on l'a vu, les personnalités sont là, l'image de la Guinée est partie partout. Mais l'argent qui a été investi, comme ce que disent d'autres, si toutefois qu'on faisait de ça de Nongo aujourd'hui. D'accord. On est tous focus sur l'argent, donc on va se lancer dedans. Hein? on est tous d'accord. C'est le nerf de la guerre. On est tous d'accord qu'il y a de l'argent qui a été affrété. Il y a eu un vol spécial. Il y a de l'argent qui a été sorti. Il y a un vol spécial qui a été affrété. Voilà, tu connais ce que ça veut dire, vol spécial. Transporter les personnalités. Bon, de ce transporter pays et d'autres personnes. Moi, je n'ai pas compris pourquoi ces personnalités. Voilà. C'est ça que je n'ai pas compris. Ça pouvait se limiter à ce premier contingent qui était composé de footballeurs et certains acteurs du football. Ils revenaient à d'autres maintenant qui sont dans ce gouvernement parce qu'ils ont les moyens, ils nagent dans l'argent public, débourser de leur poche et aller suivre le match en tant que fan du football. Je pouvais comprendre. Mais affréter un vol, pourquoi? Est-ce que la Guinée qui est qualifiée pour une Coupe du Monde? Oui, en face, c'était le Brésil. Hein? Non, attends. Est-ce que c'est la Guinée qui est qualifiée pour une Coupe du Monde? Non. Le Brésil, ce n'est pas un site touristique. Non, je suis d'accord quand même. Voilà. Je suis désolé en voyant des gens inactifs comme ça, qui se sont déplacés, c'est par amour, ou on n'informe pas, ils n'apportent absolument rien. Ça, c'est notre phénomène. Je ne veux pas en parler. C'est le branding. Ça, c'est notre phénomène. Je ne veux pas en parler. Par ailleurs, c'est le comble quand même. Il y a celui qui
gueule. On va écouter la seule dame. Par ailleurs, Al-Ghassim, on ne peut pas quand même, on peut pas clôturer ce débat sans mentionner les locaux, les joueurs locaux. Parce que je ne comprends pas, c'est inadmissible. Je ne peux pas concevoir que le coach dise que, en fait, il ne peut pas prendre les joueurs locaux pour les problèmes de visa, surtout pour un match amical comme face au Brésil. Parce que nous avons vu quand même les journalistes qui se sont déplacés et les personnalités qui ont eu pour la première fois leur visa pour aller discuter, pour aller voir ce match. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui me cœur. Après, c'est pas bon pour l'image de la guerre. Allez, on va s'arrêter là, puisqu'il y a peut-être un moment d'histoire qui s'écrit pour le football guinéen. Le Oria est mené après 22 minutes par le FC Séquence de Dixine au stade du 28 septembre. Donc, pour l'instant, on n'a pas le résultat du stade Petit Sori, mais quel que soit le résultat de Petit Sori, si celui du de 28 septembre restait en l'état, de Afia, c'est le sacré champion. Donc, le match commence dès maintenant et nous, on commence notre fil rouge. Dans un instant, nous aurons Shérif So qui est au stade Petit Sori, mais apparemment, il n'y a pas de but. Sinon, il nous aurait déjà dit ce qui s'y passe. Et donc, contrairement à ce que les gens pensaient que c'est des matchs vendus, négocier. On sent que ce n'est vraiment pas le cas. Voilà. Parce que le FC Séquence qui mène face au Oréa, le FC Séquence qui est le club de l'APE, l'APE qui est la. Non, moi je ne sais pas trop. Hein. C'est un donc club. Voilà. Je ne sais pas. Non, mais ça tout le monde le sait. Non, c'est toi attention. Qui dis ça. Moi, si vous le dites ou pas. Moi, je vous sais le pas. Savez. Moi, je ne sais pas. Ça, vous le savez. Le problème avec CEPA, je pense c'est qu'il y a un but aussi au Petit Sori. Voilà. Le Afia qui vient juste de marquer. Ah, donc ça déséquilibre. Si Simakam peut nous appeler shérif. Ça déséquilibre. Ça déséquilibre complètement les choses pour cette équipe. Et donc, oui, on l'a dit, hein, cette dernière journée du championnat national de football. Mais bien avant de continuer, j'ai envie quand même de dire bonsoir à notre invité, Ousmane Camara. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue. D'accord. On tournera dans un instant pour parler de ton histoire avec le club. C'est quoi le nom du club ? Sharjah. Sharjah. Merci. Sharjah FC. Ouais. Ça, c'est vous qui parlez français qui dites ça. Non. Et les Arabes là-bas, c'est Sharjah et Sharjah. Oui, c'est Sharjah. D'accord. Toi qui te prenais pour un. Vous parlez un peu maintenant arabe. Oui, oui. Un peu. La basse. Shoya. L'âme la basse. Et le hal. Merci beaucoup. La langue officielle ici, c'est le français. On parlait Voilà. Soukran. Allez, le Afia aussi mène un but à zéro, donc ça rééquilibre un peu les choses. Tu as suivi le match Guinée-Brésil? Oui, j'ai suivi le match. Et comment tu as vu le match? C'est un peu compliqué, la Guinée. Il doit beaucoup changer. Parlez un peu dans le micro pour qu'on t'entende. La Guinée doit beaucoup changer, beaucoup. Ouais. Et tu penses que la Guinée n'a pas de buteur? Tu as vu Sirou Guirassy, Mohamed Bayo, José Martinez Kanté. Que fait, penses-tu? La ligne d'attaque de la Guinée, c'est un peu lent, quoi, tu vois. D'accord. Ok. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de problème. Toi, tes vidéos, on les verra tout à l'heure. Hein. On les verra. Mais avant de continuer, nous allons écouter très vite les acteurs de ce. Ok, on nous fait signe que Shérif est là. Priorité au direct. On va tout droit au stade Petit Sori de Nangor. Mohamed Shérif So, bonsoir. Bonsoir, Al-Ghassim Oubaldé. Bonsoir aux messieurs. Plutôt bailo, bonsoir également à nos milliers de téléspectateurs, mais aussi d'auditeurs. Alors, donc c'est Mamadou Bailo aussi là. Heureusement que j'ai dit que nous avons les deux au stade Petit Sori de Nangor. Là, je ne vais pas être pris à mon propre piège. Bailo? Oui. Comment ça se présente au stade Petit Sori? Oui, Al-Ghassim Oubaldé. Nous jouons pratiquement 15 minutes ici au stade Petit Sori de Nangor. Et rassurez-vous, c'est le Afia Football Club qui mène sur le score d'un but à zéro et par l'entremise de Alassane Camara Yanga qui a repris en centre de son capitaine Andoulo. Al-Ghassim Oubaldé, c'est un contre qui s'offre à l'instant même à la flamme olympique qui réussit l'égalisation à l'instant même pendant que nous jouons. La 16e minute de jeu ici au stade Petit Sori. Un but partout donc, hein. Je suis en train de vous dire, oui, c'est un but en direct. L'égalisation en direct, vous entendez certainement
le speaker du stade qui annonce l'égalisation de la frappe olympique. Je suis en train de vous dire, Al-Ghassim Oubaldé, oui, que le Hafi avait réussi à prendre l'avantage par la remise de Alassane Camara Yanka à la 14e minute de jeu. Et c'est voilà, la flamme olympique qui réussit à l'instant même l'égalisation à la 16e minute de jeu. La partie donc est complètement, les cartes sont complètement rabattues, j'ai envie de dire, dans cette rencontre Al-Ghassim-Oubaldé. Et voilà, on nous apprend également que des choses intéressantes se passent du côté du vieux stade du 28 septembre de Conakry, où le Royal Athletic Club de Matam venait sur le score d'un but à zéro. Donc, c'est pour vous dire quand même, Al-Ghassim-Oubaldé, oui, on en reste là. Le Hafia Football Club ben, serait tout simplement sacré champion de Guinée pour, en tout cas, après quelque chose de, en tout cas, après plusieurs décennies, on va le dire comme ça. Oui. Et voilà, 38 ans d'attente pour être plus précis. Voilà, pour le moment, ça fait un but partout ici au stade des Petits Souris de Nongo entre la flamme olympique et son homologue du Hafia Football Club. Allez, on reviendra parce que c'est vous qui êtes notre fil rouge, Mohamed Chérif So et Mamadou Balo. Si là au stade Petits Souris de Nongo, ça fait donc un but partout. Et ce but, l'égalisation de la flamme olympique, nous l'avons vécu en direct. Et donc, pour l'instant, le Hafia compterait donc 48 points. Le Oréa serait toujours stagné à 46 points, donc avec 2 points d'avance. Le Hafia est toujours donc virtuellement champion de Guinée. Donc on va continuer avant de parler de ce match-là et continuer à l'évoquer. Nous allons écouter les internationaux guinéens François Kamano et Morlaï Silla sur ce match contre le Brésil au micro de Bouba Camara. Là, il faut vite oublier le score, mais je pense que c'était un bon match. On a montré quelques phases. Après, on a assez appris aussi. On a vu des erreurs, mais je pense que on a reproduit ces quelques erreurs contre l'Égypte aussi. Là, maintenant, c'est les vacances. Après, je pense que le coach va revoir et pour le prochain regroupement, on va essayer d'améliorer tout ça et enchaîner. Bah, je pense que c'est aujourd'hui aussi, c'était ils ont marqué sur coup de pied arrêté. Après, il faudra travailler ça surtout. Et ça se voyait, ils avaient des joueurs de taille pour jouer les coups de pied arrêtés. Mais voilà, on a démontré, on a joué sans complexe. On a essayé de tout donner. Mais voilà, c'était le Brésil en face. Et voilà, ils ont marqué, ils ont pris l'ascendant sur nous. Je pense que c'est un match amical et voilà, contre le Brésil, contre une grande nation comme le Brésil. Et puis voilà, on a essayé de jouer notre football et malheureusement on a été battu. Mais en première mi-temps, on les a fait circuler un peu et pour leur montrer qu'on a aussi des talents parmi nous. Et puis voilà, on s'est fait battre à 4-0. Et puis voilà, moi je pense que c'est une leçon pour nous. Vivez votre passion du sport sur Joma FM. Allez, dans ce studio-là, il y a les pro Nabi Keita et les pro Morlaï Silla. Qui doit être titulaire au milieu de terrain? Je ne vous dirai pas assez. Donc, vous en saurez peut-être sur les réseaux sociaux. Et pour ceux-là qui suivent nos différents chroniqueurs, vous en savez déjà. Nous allons écouter, on va enchaîner tout de suite avec le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, toujours au micro de Yoma Sport de Bouba Camara. Il y avait pas mal de joueurs que je connaissais déjà, des Ligue 1, des joueurs que j'ai joué contre. Et ça fait plaisir de rencontrer des gens qu'on le connaît. Voilà, au début, c'était un match difficile. Non, on a arrivé à ouvrir le score. Et Guinée, il est revenu dans le score. Il a compliqué un peu le 2-1. En deuxième mi-temps, on a réussi à ouvrir et élargir le score. Et ça nous a aidé, ça nous a tranquillisé. Mais c'est toujours une bonne expérience parce que c'est notre école de foot. Et c'est bien pour nous parce que voilà, un changement de cycle, changement d'entraîneur, des nouveaux joueurs qui arrivent pour la sélection. C'est bien de jouer contre des équipes qu'on n'a pas l'habitude. Vivez votre passion du sport sur Joma FM. Dioma Sport en direct et en intégralité, les 16 heures passées de 32 minutes. Nous allons continuer à parler
de ce match-là. Hein, vous étiez séduit quand même de voir le micro Yoma Sport. Plus d'un Guinéen. Tendu à Marquinhos. Même d'autres personnes. Ouais. Aimé, à Marco Aos Correa. Ouais. C'est son vrai nom. Ouais. J'ai beaucoup aimé quand il a parlé dans ce micro où c'est floqué Yoma Sport. C'est hyper important, mais il a tenu. Ça aussi, c'est historique. Hein. Mais ça, c'est historique. C'est le match même qui est historique. Ça rentre dans l'histoire. Le match, maintenant, c'est autre chose. Maintenant, quand son discours, c'est responsable, et puis c'est tenu par un capitaine, on a senti. Il a eu beaucoup de respect pour la Guinée. Et puis il dit bien avant, et je reconnais quelques joueurs après avoir joué contre eux dans le championnat de Ligue 1 du côté de la France. Oui. Ça, c'est super bien. C'est pour vous dire que la Guinée a été connue à travers certains joueurs de l'équipe nationale. Gassina, c'est un beau discours. Maintenant, quand on revient sur François Kamano, que ce soit Morlaï a été responsable. Il n'a même pas évoqué son cas parce que le fait qu'il est brimé par l'entraîneur, qu'il a du mal à comprendre un peu le football, et tout en préférant un trentenaire qui a du mal, ça va, et le corps ne répond plus. Ouais, ça va très bien. Vous pensez vraiment qu'il est brimé dans ses droits? Il est vraiment brimé dans ses droits et que l'entraîneur refuse de comprendre la forme actuelle même du joueur. C'est ce qu'il faut dire comme vérité. Et s'il ne faut pas mentir, hein, ça, c'est clair. Parce qu'on ne peut pas comprendre un Africain, un Guinéen, un Naby Keita, qui n'a connu même aucune petite académie, je dis bien, qui n'a jamais foulé un centre de formation, qui a appris le football dans le tas, et que par contre, Morlaï, qui a connu un peu les béabas du football, et qui performe, qui monte même en flèche du côté d'Aruka, et qui est un joueur incontournable de ce club, qu'on essaie de le mettre sur le banc au profit du nom que Naby Keita a. Moi, je ne comprends pas. Deuxièmement, Naby Keita a la même trajectoire que Morlaï Sylla. Non, s'il te plaît. Oui, évidemment. Non, s'il Naby te plaît. Naby Keita aussi n'a pas connu d'académie. Il a connu quelle académie? Attends, s'il te plaît. Ici. Morlaï? Morlaï, Naby. L'académie, non. Naby, je parle de Morlaï. Moi, je ne parle pas de Naby. Il n'a connu aucune académie. Voilà. Aucun centre de formation. Morlaï, mais s'il te plaît. Il a connu, c'est bien du football ici. On l'a vu comment il est parti, comment il est revenu au Real, du Felo et ainsi de suite. On l'a vu comment il a explosé. En fait, on dit la même chose. Soyons sincères. Que Kaba Diawara triche aujourd'hui, ce gamin. Non. Naby ne mérite même pas 30 minutes de jeu dans l'équipe nationale. Avec 7 matchs joués avec Liverpool. 30 minutes, il ne mérite même pas 30 minutes. 30 minutes, il ne mérite pas. Et quand vous prenez Amadou Diawara, 3 mois après le championnat belge, il ne méritait pas de jouer devant Seydou Ba Cissé. Moi, je n'ai pas compris. C'est grave ce que vous dites. Là c'est la passion. Vous êtes en train de quelle passion que vous dites? Écoutez, s'il vous plaît. Quelle passion? Auréa, séquence, un but partout. Afia Flamme, un but partout. Merci. Donc, c'est la bonne information. On va continuer à parler. Dans les équipes nationales, il y a ce qu'on appelle le vécu. Parfois, ce n'est pas seulement. Il y a l'inexpérience aussi de la jeunesse. Il faut ça, c'est un aspect important. Vous avez un match aussi important parfois comme le Brésil. Vous dites les enfants. Je suis d'accord avec vous que Morlaï aujourd'hui il y a la fraîcheur physique. Un match crucial contre l'Égypte, ils étaient là. Qu'ils ont apporté à l'équipe? Il faut un mélange. Ils ont apporté quoi? Il faut un mélange de la jeunesse, de la croix. Arrêtez ça. Il faut y croire. Je pense. Ils ne méritent plus. Il y a un aspect. Ça c'est clair. C'est trop dit. Ils ne méritent plus de jouer devant ces enfants. Il y a un aspect. Olivier Giroud n'est pas titulaire au Milan AC. Mais en équipe de France, il est titulaire devant des joueurs qui sont titulaires avec leur. Non, il n'y a pas de différence. Parce que vous parlez de ce que Giroud apporte à la France. Attention. Naby ne fait pas même le 15%. Mais je pense bien. Mais s'il te plaît. Ça, c'est vous qui dites. C'est un Naby de passé. En tout cas, sur les 9 points du Sili National en éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations, au moins 5 ont été donnés par Naby Keita. Aussi, c'est les 6 d'ailleurs. Il était le seul joueur. Je pense. C'est lui qui débloque la situation. Je pense. L'aspect le plus important, c'est de Kaba de prendre son bâton de pèlerin, partir à la recherche de joueurs qui sont capables. Quel joueur? Écoutez, ils peuvent y en avoir, mais s'il ne les met pas dedans. Parce que prenons par exemple l'orgueil de Moriba. C'est des trucs à corriger. Aujourd'hui, vous voulez enlever Moriba aussi dans votre. Non, on l'enlève pas. Mais j'en suis sûr. Vous enlevez Moriba, vous enlevez Amadou Diawara, vous enlevez Naby Keita. Pas du tout, pas du tout. Mais c'est une façon d'apporter de la discipline au sein du Sili National de Guinée. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des joueurs du Sili qui n'ont pas été convoqués.
mais qui jouent dans leur club respectif régulièrement. Qui, tel que le Julien qui Janvier, par exemple? Tel que Julien Janvier. Julien Janvier. Avec est-ce, qu'il là, terrain? Terrain? Est-ce qu'il a mis le terrain? Non, même s'il n'a pas mis le terrain. C'est un défenseur. Comparativement à Antoine Conte. Imaginez. Mohamed Ali qui s'est marié. Mais ils ne sont pas titulaires. Les deux titulaires, c'est Moukhtar Diarabi et Saïd Oussou. Mohamed Ali qui s'est marié à 5 jours de la rencontre face à l'équipe. Oui, ça n'a pas un impact. Oui, ça n'a pas un impact. Il n'est pas performant en équipe nationale. Et puis, il revenait d'une longue blessure. Mohamed Ali, on est d'accord. Et surtout, il n'est même pas sorti encore. Kabadja aurait paniqué, il n'a pas le niveau de notre équipe nationale. C'est ça la vérité. Entre guillemets, il vient de se marier. Bien sûr et certain, il faudrait. C'est ça quand même. D'une part, ça n'a pas un argument. Parce qu'on a vu même la finale avec. Comment dirais-je, Young Boy de Berne. Non, Manchester City, il y a un joueur de l'Inter qui s'est marié juste à la veille de la fête. Oui. Lautaro. Non, donc ça n'a pas. Les Européens ne sont pas les Européens. Non, on est en train de parler des footballeurs en fait. Ça n'a aucun impact. Si c'est marié, tant mieux. Si c'est marié, tant mieux. Mais le plus important, c'est sur le terrain. Lorsqu'il s'était marié aussi, il a été titularisé, il y avait les dégâts. Je ne me rappelle plus de ce match-là. Il s'est marié. Voilà, c'est comme ça. Il y avait des dégâts. Ah, il y avait des dégâts. Non, qui importe, ce n'est pas leur vie privée. Je suis d'accord avec toi. La vie privée ne doit pas. Ce n'est pas leur vie privée. Ce qu'ils font sur le terrain. Excusez-moi, ce qu'ils font sur le terrain, c'est ça le plus important. Parce que quand même, les joueurs, eux aussi, sont humains. Mon cher, s'il te plaît. Non, mais elle a raison. Marianne, s'il te plaît. Elle a raison. Dans ce cas précis, et son, je te dis, et son. Je ne dis pas que Mohamed Ali méritait d'être sélectionné. Mohamed Ali méritait pas la sélection. Je ne dis pas qu'il méritait d'être sélectionné. Ils n'ont pas ce niveau. Puisque le joueur lui-même, il n'a joué que 4 matchs cette saison. Il méritait d'être dans cette sélection. Il méritait amplement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Parce que Kaba Diawara, il est fort en manipulation. Il va vous dire encore, lui, il m'a fait ça. Comme il sait qu'il a fait pour sacrifier Malik Camara. D'accord. Voilà, je peux te. Non, c'est Yekini. Dis sûrement Yekini. Si tu dis Yekini, va comprendre que je le connais depuis. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Je vous le concède. Merci. Merci, l'historien de la maison. Ousmane, je ne sais pas s'il a regardé le match. Ouais. Qu'est-ce qu'il a peut-être vu que nous, on n'a pas vu en tant que footballeur? C'est la question que je voulais lui poser. Ousmane. Le match d'hier. Oui, le match d'hier. Le match d'hier, tu sens que le pays, ils ne sont pas motivés, tu vois. Les joueurs ne sont pas motivés, ils ne veulent pas jouer au foot. Aïe? Ils ne veulent pas jouer au foot. Ça compte juste peut-être se montrer face au Brésil. Ouais. Même face à l'Égypte, l'Égypte même, tu sens qu'il n'y a pas d'engagement. Mais est-ce que ça, ce n'est pas dû aussi au niveau des footballeurs qui sont là? Nous sommes en train de citer des joueurs. Mais est-ce qu'on a vraiment aujourd'hui un 11 compétitif? C'est ça la question en fait. Qui les a placés? Non, moi je pense que non. On peut avoir. On peut avoir, mais là pour l'instant, quand vous voyez la moi, si vous me demandez en ce moment, on a peut-être il y a quelques ingrédients qui manquent, mais on a l'une des meilleures équipes sur le continent. On parle de quel continent? Mais la mine, tu parles de quel continent? Écoutez. Allez, on va l'écouter. Il y a quelques ingrédients qui nous manquent. Il a cité le nom de Madi Camara. Je suis d'accord avec lui que Madi Camara aujourd'hui mérite cette sélection. Oui, moi j'ai échangé avec Madi. On est pratiquement. En ce moment, 80% je suis d'accord avec vous. Même Julien Janvier, je suis d'accord avec vous que Madi a été injustement donc écarté de cette équipe nationale. Parce que moi j'ai échangé avec lui, mais ce qu'il m'a dit c'est extrêmement grave pour Kaba Diawara. Voilà. Et si vous voulez bien, la semaine prochaine, pas cette sélection. 15 matchs pour le joués. Moment il est là, il 15 est là pour matchs le joués le bilan est mitigé. Tout est contre lui. Dans d'autres pays il devrait partir. Non, attention, c'est 17 matchs d'ailleurs officiels, 9 défaites, 3 victoires, 5 matchs nuls. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des entraîneurs qui ont ça, mais
Le plus important, je ne pense vraiment pas qu'il y ait un entraîneur au monde qui puisse faire 50% des défaites avec son équipe et qui reste en poste. Il faut faire le tour. C'est lui qui vient de signer au Napoli, le français. Rudy Garcia. Avant qu'il ne quitte la Roma, oui. Il a perdu plus de matchs. Oui, mais il était là-bas, il est resté. Parce qu'il avait la confiance du président. Il avait la confiance du président. Il est resté. Imaginez, c'est en fin de saison maintenant, ils sont séparés. Imaginez, à la Roma par exemple, c'est un club qui joue 38 journées en championnat. Vous perdez 10 ou bien 9 ou 8. Vous perdez 50% de vos matchs, ça veut dire que vous avez perdu 19 fois. 19 fois, c'est soit sous. Il est resté, c'est en fin de saison. c'est énorme. Le président, vous faites des matchs nuls, vous faites des défaites. Le président avait la pression après, c'est séparé de lui, sinon il était là-bas. Non, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Mais je sais pas. C'est qui le charlatan de Kaba Diawara. Mon Dieu, c'est pourquoi je le disais ici tout de suite. C'est qui son charlatan, mais il reste. Kaba n'a pas un vécu en matière de football. Kaba n'a pas un vécu en matière de coaching. Non, il a un vécu en matière de football. Non, mais de footballeur. En tant que footballeur. En tant que footballeur. Mais il a joué beaucoup de Je pense que le débat c'est joué. Kaba est un bon joueur. Il a été un bon joueur, mais il n'a jamais été un grand joueur. C'est comme ça on peut le dire. Je pense bien Kaba aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il fait comme slogan. Oui, il faudrait que je fasse la sélection des joueurs qui sont en jambes. Quels sont les joueurs qu'il a convoqués? Si ce n'est pas des joueurs qui sont du côté d'Israël, de Chypre, qui l'envoient. Sinon, et regardez un certain. Non, mais attention, on n'a pas besoin forcément d'être là-bas. Messi va jouer à l'Inter Miami, mais elle va être sélectionnée. Moi, Marseille, je ne mets pas Antoine Conte devant un certain. Cristiano Ronaldo est à Nasr depuis presque deux saisons. Il joue pour le Portugal. Ce n'est pas le championnat, c'est la qualité du joueur, le caractère. Ça, je t'informe tout à l'heure. Là. Le joueur malien qui joue à Al-Ahly, c'est l'un des meilleurs milieux du terrain actuellement en Afrique. Oui, bien sûr. Oui. Alou Dieng. Mais c'est l'un des meilleurs milieux du terrain actuellement en Afrique. Oui, mais il est appelé. Mais il joue en Afrique. Il est en sélection. Et Kaba Diawara. À un moment donné, même Salif Koulibaly. Il était au Wydad. Au Wydad, il était appelé en sélection. Le jeune de la Louvière là, qui joue à Raza de Casa. Amadou Camara. Même lui, il mérite la sélection là. Il n'est pas dit seulement il faut être en Europe. Ouais, mais je suis d'accord. Pas dire que c'est un gamin, c'est un petit. Oui, mais Al-Khali a été plusieurs fois appelé en sélection. Avec l'étoile du Sahel. La première Coupe du monde de Pelé, il avait 17 ans. Moi, 16 ans, j'allais dire. La première Coupe du monde de R9, comme même si les gens veulent dire vrai 9, Ronaldo. Ronaldo Brésil, il avait fait 17 ans. De doubler la mise. Évidemment. Attention. Moustapha Kouyaté, il faut dire ça. Il faut dire ça, c'est fort. S'il te plaît, il faut répéter ça. Moustapha Kouyaté. Il va donner le titre au champion de Guinée. Le revenant. Voilà. C'est Moustapha Kouyaté qui a marqué. Le deuxième but. 2-1 pour le Hafia. Donc, on va partir à la pause pour le Hafia avec peut-être cette avance, même si la pause est encore loin. On est à 30 minutes du match. 2-1, on récapitule. 2-1 pour le Hafia au stade Petit-Sori. Un but partout entre le Oréa et le FC Sikans au stade du 28 septembre de Conakry. C'est toujours le Hafia qui est en tête et qui est toujours champion. Et puis on a oublié, paraîtrait qu'il y a des Guinéens qui ne veulent plus revenir. Non, ils reviendront. On va aller à la pause. Non, la pause n'est pas. Il faut signaler ça. Il doit prendre ses dispositions. Parce que c'est lui qui a affrété l'avion. Oui. Et je ne sais pas comment ça a été négocié. Peut-être demain, on reviendra sur ça, les détails. Oui. Parce qu'il y en a qui ont profité et ils ont été soutirés, qui cherchaient ce visa depuis. Il ne faut pas ternir l'image du pays avec votre branding, là. Sinon, ça risque d'être braquage. Voilà. Merci. Ah ouais? Grand CFA. Non, d'accord. C'est ça. Braquage de quoi? Braquage d'image du pays. Parce que là, quand les gens là, ils restent sans revenir, c'est un autre problème. Braquage. Ouais, braquage national. Comme dit branding là, si c'est fait de la sorte, ça devient un braquage. En tout cas, il faudrait. Braquage. Tu as trop regardé le film de gang, toi. C'est autre chose. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Sur l'Afia ou sur le. Oui, mais. Allons-y alors sur le Hafia qui mène pour l'instant 2-1, le Hafia qui continue à mettre la pression sur le Oréa, voilà à distance, et ça se corse pour le Hafia et ça se confirme, ça se complique pour le Oréa de l'autre côté. Oui, pour ceux-là qui pensaient que le Hafia serait à 50 points, le Oréa à 47. La formalité quand même, c'est le contraire pour le moment qui se voit sur le terrain, puisque le Hafia avait été donc déjoint au score. Là, ils sont en train de repartir de l'avant. Le Oréa aussi a encaissé le premier but avant d'égaliser. Peut-être que
ce championnat, pour l'une des rares fois, va être joué de la première à la 90e minute donc, de cette dernière journée. Et oui, ça, c'est tout bénef pour nous qui suivons donc, ce match, ce championnat guinéen. Oui. Pour cette année, quand même, il y avait ça faisait combien d'années? Ça faisait 9 ans. 9 ans qu'il aurait. Il y avait plus 2014, de suspense. Parfois, 2015, même, il aurait été champion à la 20e journée ou à la 22e journée. Donc, cette fois-ci, le championnat était joué du début à la fin. Donc, 10, ça, c'est. 8. Ça, c'est, on voit que l'AFI a profité donc. L'AFI nous a servi du spectacle quand même. L'AFI a profité donc des difficultés du Oréa. Le Oréa cette saison, voilà, c'est quand même 7 défaites. Oui, c'est, wow, c'est de trop. C'est énorme. C'est historique, hein, c'est historique pour cette équipe du Oréa. Ouais, 7 défaites en 25 matchs. C'était très poussif pour le Oréa. Et donc, logiquement, si le AFIA devient champion, et donc le AFIA pourrait savourer ce titre qui sera les deux clubs déjà sont qualifiés pour la campagne africaine. Oui, pour la Ligue des Champions. Le jeu, c'est le titre. Oui, mais le titre, il est historique. Peut-être que. Parce que 40 ans après, on dira en 2023, c'est le AFIA qui sera champion. Il n'arrive pas à faire cela, peut-être, je ne sais pas quoi. Oui, le AFIA est pour l'instant virtuellement à champion, 50 points. Oui. À 50 points, le Oréa à 47. Et donc, là aussi, virtuellement champion de Guinée. Nous allons marquer une pause, chers téléspectateurs et auditeurs, et revenir dans un instant dans la deuxième partie de Dioma Sport pour cette fois-ci parler de Ousmane Camara et probablement du sacre du AFIA.
Retour pour la deuxième partie de Guillaume Sport avec toujours mes acolytes Ousmane Mansaré, Moussa Sefa Camara, Mariam Cheikh Mara. On a le plaisir de la retrouver, de la voir dans cette émission aujourd'hui en studio. Mohamed Lamine Touré et puis au stade, nous avons Mohamed Chérif Soué, Mamadou Bailo Silla au stade Petit Sori de Nongo où un moment d'histoire est en train de s'écrire pour le AFIA. Le AFIA qui joue sa deuxième saison sur son terrain et qui pourrait être sacré pour la première fois 38 ans après. Et donc, c'est un moment unique pour les hommes de Casimir Jaziolo. Nous repartirons tout à l'heure au stade Petit Sori pour parler de ces instants avec nos envoyés spéciaux. Mais bien avant, nous allons poursuivre Guillaume Sport avec, comme annoncé, Ousmane Camara. Ousmane Camara, c'est un jeune footballeur guinéen qui évolue en Émirats Arabes Unis. Il évolue précisément au club de Sharjah FC, qui évolue en première division, c'est ça? D'accord. Allez, parlez-nous de qui est Ousmane Camara. J'ai déjà dit, vous êtes jeune footballeur guinéen, Sharjah, mais déjà un peu plus en détail. Détail comment? J'espère qu'il n'est pas timide, hein? Un peu timide. Déjà, la façon dont tu es... Il a quitté Conakry. La façon dont tu es virevoltant, tu marques des buts. Dites-nous, oui, comment s'est passé ton aventure? La traversée, comment tu as quitté Conakry, ou si c'est une autre ville, jusqu'à te retrouver aux Émirats Arabes Unis, quand même, dans le golf. Ah, ok. En Guinée, j'étais dans l'académie, jeunesse sportive de Guinée. D'accord. Je jouais là-bas. Après, j'ai fait l'essai et je suis quitté... Là-bas, je suis parti en Tunisie, à Sfax. J'ai fait l'essai à Sfax, j'ai joué à Sfax, j'ai fait l'essai en mois. Ah, c'est toi qui étais au Sfax? Oui. D'accord. Sfax, ouais. Sfax en Tunisie. Oui, mm-hmm. Oui. Ouais, j'ai fait l'essai là-bas un mois et j'ai eu contrat, j'ai signé à Sfax. Après, j'ai joué là-bas deux ans, troisième année, et j'ai eu contrat, je suis parti en Émirats. En plus, j'avais beaucoup de contrats, mais avant de partir en Émirat, le club, tu vois, ils m'ont dit, avant de partir en Émirat, il faut choisir là où tu vas partir. Nous, on veut t'envoyer en Émirat parce qu'il y a les offres. Il y avait 10 ans, 10 ans et il y avait 10 ans, il y avait Montpellier. Ah, 10 ans en France. Oui, en France. D'accord. Il y avait 10 ans, il y avait Montpellier. D'accord. Ils m'ont dit, il faut choisir. Et j'ai dit, moi, je ne peux rien faire. Regardez ce qui est bon pour vous et moi, je vais partir. Tu vois. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Moi, mon travail, c'est marquer des buts. Vous faites le choix, moi je vais. D'accord. Ils m'ont dit, OK, il n'y a pas de problème. Il y a l'Emirat et l'offre est là. Et il y a beaucoup d'argent ici. Patati, patata, patati, ouais. Patata. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et ça t'a motivé aussi. Ah, ouais, ouais. Disons-nous la vérité. Ouais, c'est ça. Forcément. Ça t'a motivé, l'argent. Et... Vas-y, on joue. Ça fait quoi? Ça fait deux saisons. Où? En Emirat. Depuis que tu es parti aux Émirats. Oui, ça fait deux saisons. Ouais. D'accord. Deux saisons. Et je suis parti en Émirats et vous savez, en Guinée, le problème d'argent, tu vois. Après, tu es allé à cause de mais ça va maintenant, ça va. Mais pour l'instant, maintenant, ça va. Oui, ça va. Pourtant, tu as 22 ans, est-ce que ce n'est pas trop tôt pour toi d'aller aux Émirats? Non, mais attention. Oui. C'est pas trop tôt, avant tout. 22 ans, c'est l'âge de Erling Haaland. On va chercher l'argent d'abord, après l'autre là, ça va venir après. Ouais, tu n'as pas mis devant ta carrière. On joue aussi pour ça. On joue par exemple à Dijon pour respirer la carrière aussi nationale de Guinée. Parce que regarde c'est dit. Excusez-moi, Afia vient de marquer le troisième but. C'est presque fini. C'est un excellent buteur quand même. Ouais. On revoit là tes buts. Oui, et pour ceux qui ne nous suivent pas à la télé, ceux qui nous écoutent à la radio, il faut dire que c'est un joueur qui est aussi bon et quasiment sur toutes les positions, de la droite, la gauche. Ouais. Et voilà, demi-volée, c'est aussi bon. Ça. Mm-hmm. Oui. Est-ce que tu avais joué ici dans le championnat guinéen avant de partir? Non, je ne l'ai pas joué. Tu n'as pas joué dans le championnat? Non, je ne l'ai pas. Tu n'as pas connu la Ligue 1 Guinée? Non, je ne l'ai pas. D'accord. Tu es allé directement. Est-ce que tu es en contact avec les différents sélectionneurs? Bah oui. Ah, lequel? C'est mon passeport qui était expiré, sinon j'allais partir avec l'équipe nationale. Mais comment toi tu peux attendre que ton passeport arrive à expiration? Tu es international, il faut toujours avoir des documents comme ça. Ah bah...
C'est vrai aussi. Regarde, on ne sait pas, on a raté, on rate comme ça. Non, mais bon attaquant. En fait, mais il a eu 23. Oui, mais attention, lui, quand même, avec Momo, Fanny et Algasim, oui, ça, oui, ça allait faire feu devant. Oui, ça allait, ouais, ouais. Pour, surtout, c'est... surtout que Kaba Diawara aussi était parti aux Émirats pour voir un de ses matchs. Ah. Voir les il a été séduit aussi. Mais lui, sauf que c'est un entraîneur qui ne bouge pas. Non, il était parti. Non, attendez, je ne parle pas. Quand tu parlais avec Kaba Diawara, est-ce qu'il t'a parlé de Sili pour tes intentions à venir en sélection? Oui, il m'a parlé. Il m'a dit de venir avec l'espoir, de jouer avec l'espoir. Après, ils vont m'appeler avec l'équipe A. Je vais jouer avec l'équipe A. D'accord. Il m'a demandé ma position de, là-bas avec les dirigeants. Oui. Comment ça se passe là-bas. J'ai dit, ah, ici, ça va, Dieu merci, ça va tranquille. Le contrat, c'est un contrat de 4 ans tu as signé 5 ans. 5 ans. Ah, c'est trop. Le contrat doit expirer en principe en 2026. 26, ouais. Mais est-ce que tu as dans un coin de ta tête une prolongation? Non, je pense. Donc, tu veux quand tu quittes Sharjah que tu reviennes en Europe ou bien que tu restes là-bas dans un autre club? Tu sais pas. Ça te discute. Et puis, elle baisse la tête en même temps. Les statistiques, elle a 6 mois parce qu'il a. Oui, fait... évidemment, on va parler de ces statistiques tout à l'heure, mais on va écouter les autres qui vont sans doute aussi lui poser des questions. Oui, Ousmane Mansari. Ousmane, bonsoir. Mais je pense que c'est un homonyme. Hein. Oui, oui, c'est bonsoir, pas tu penses, c'est ça même. Bien, merci. Et on a vu quand même tes prouesses. Et vraiment, c'est encourageant aujourd'hui. Et dans le petit coin de ta tête, qu'est-ce que tu penses faire pour la Guinée? Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas en manque de joueurs, mais nous le voulons. On est en manque de joueurs? Non, on n'a pas en manque de joueurs, mais nous le voulons. On veut des bons joueurs. Alors, là. Oui. Pour le moment, je ne peux rien dire. Pour le moment, parce que le club même, là où je joue, il ne veut pas me laisser pour venir jouer pour mon équipe nationale. C'est un problème. C'est un problème. Ah, ou bien ils veulent te naturaliser. Ils veulent que tu joues pour les Émirats Arabes Unis. Oui, ils veulent ça, mais Mais toi aussi, ça te dit de jouer pour les Émirats Arabes Unis? Non. Mais il peut voir quand même te forcer la main. Les Émirats Arabes Unis. Mais je pense bien que... Mais il participe aux éliminatoires. Hein. Oui, les Émirats Arabes Unis. Les Émirats Arabes Unis avaient joué même les barrages de la Coupe du Monde. Oui, les Émirats Arabes Unis, oui. Les barrages de la Coupe du Monde. Ils avaient été éliminés, je pense, par l'Australie. Le déplacement pour Kaba, pour partir te rencontrer, une façon de venir arborer la couleur guinéenne. Quel a été tes sentiments, ta sensation? Mais on ne s'est même pas vu, Ah ok, c'était pas coup de téléphone. Il m'a appelé, il m'a dit je vais venir le vendredi. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci, je suis là. Si vous êtes là, faites-moi signe, après je vais venir vous... Déjà c'est rassurant de savoir que tu es dans la sorte luce quand même de Kaba Diawara. J'ai envie quand même de poser une question à notre consoeur, Mariam Cheikh Mara, parce que c'est vous quand même qui l'envoyez dans cette émission. Comment se sont noués les contacts entre vous et voilà comment ça se passe? Eh ben c'était lors de mon voyage à Dubaï. Dubaï. Oui. Donc vous avez été aux Émirats Arabes Unis. Bien sûr. Il a fallu que je me la vie tournée. À la rencontre de certains joueurs qui évoluent justement dans le championnat. Vous avez vu en photo avec Miralem Pjanic. Évidemment, il joue dans la même équipe que Pjanic, les Manolas et autres là. Donc, il a fallu que j'entre en contact avec certains joueurs de là-bas, puisque nous avons quand même des rubriques ici qui est consacrée aux joueurs qui évoluent à l'étranger. Et franchement, il ne faut pas occulter quand même qu'ils font de très belles saisons là-bas, mais malheureusement, ils sont dans l'ombre. Donc, je me suis dit que ce sera une très belle opportunité, puisqu'il a discuté cette saison au moins 4 finales et il a eu 4 trophées déjà. Donc, c'était pour moi une prouesse qui méritait quand t'es même d'être médiatisée. Tu as déjà un palmarès plus étoffé que celui de Kaba Diawara. Ouais. Allez, on va voir les stats. Si la régie pouvait nous les afficher là. Mais c'est vrai pourtant. 4 trophées en une saison, c'est énorme. On le voit là. Sur ce tableau, 39 matchs joués, 2510 minutes aussi disputées, 8 buts marqués, 5 passes décisives. Ça veut dire que vous avez été décisif à 13 reprises. C'est énorme pour un joueur de 22 ans et surtout qui n'est qu'à sa deuxième saison professionnelle. Hein. Championnat professionnel. Ouais. Donc c'est énorme. Et là, ça mérite un clapping quand même. Hein. Moi, j'ai une inquiétude.
ses performances, oui, c'est bien vrai, c'est beau, voir un jeune comme ça qui explose au niveau d'un championnat, même si ce n'est pas trop comme ça. Je voulais le voir peut-être jouer Auxerre, Lille, Montpellier. Mais est-ce qu'il n'a pas été un peu berné du côté de Sfax, qu'on le renvoie du côté des Émirats Arabes Unis, juste pour l'argent, parce que lui, dans sa tête, je suis un jeune qui est en provenance de la Guinée, je sais comment ça se passe dans mon pays, dès qu'on te propose un truc, il y a des sous, tout de suite, tu es tenté par ça. Est-ce que c'était une question d'ambition? Est-ce qu'il n'a pas été un peu manipulé pour accepter ce contrat? Parce que moi, je voulais le voir jouer en Europe que de l'autre côté de l'Émirat Arabe Unis. Parce que le talent que je vois là, même si c'est monté, mais la façon, ses prises de balles, ça me dit beaucoup. Je sens en lui que c'est un talent quand même. Qu'est-ce qui est passé réellement? Est-ce que votre contrat ne vous a pas forcé la main? Bah oui, ils m'ont forcé, mais ouais. Je ne veux rien faire. Et moi aussi, je voulais partir pour gagner de l'argent. Et la famille est là, la famille compte sur... C'était quoi le premier choix d'Ousmane Camara? Pour moi, c'était de partir à Dijon. 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 Parce qu'il y avait Abdoulaye Gil Keita qui avait joué. Bamanema, ouais. Je ne sais même pas s'il est devenu... Non, vous allez comprendre aussi les conséquences directes de la faiblesse de l'État. Si, par exemple, ce garçon venait d'un centre de formation approprié, bien structuré, on pouvait suivre, il fait son choix, on allait l'accepter. Mais il faudrait passer par Tunisie, passer par Casablanca. C'est ce qui est arrivé avec le garçon de la Louvière, tout récemment, qui s'est imposé. Personne ne peut s'attendre à cela. Moi, voyant le talent que le jeune a, je vois qu'il c'est en deçà du championnat là où il joue. Je préfère le voir. Même s'il y a, des légendes qui jouent dans le même club, qui sont au soir de leur carrière. Mais c'est lui, il est encore jeune. Ousmane, est-ce que tu as des contacts, même si tu dis que tu ne vas pas quitter, est-ce que tu as des contacts en Europe? Oui, j'ai des contacts en Europe, même Galatasaray, avec Galatasaray, Toulouse. Mais le club ne veut pas. Ne veut pas te lâcher. Et vous êtes sous contrat jusqu'en 2026. Jusqu'à 2026. Mais quand même, dans ce contrat, vous êtes bien payé quand même. Ouais, je suis bien payé. Voilà, ça c'est l'essentiel. Tu vas faire 2026. Ouais, tu es là. Là, on ne va pas dévoiler le monde. Non, ça fait quoi? Tout le monde connaît quand on est venu à Munich, c'est l'argent. 25 ans, c'est pas. 25 ans, oui, après 25 ans. 25 ans, c'est pas maintenant, à la fin de ce contrat, tu vas prolonger ou bien tu. Non, je ne pense pas. Ah, tu t'en iras. Moi, je te conseille en tout cas un championnat où il y a la visibilité. J'espère tout de même pour même si je suis d'accord. Les dirigeants n'écoutent pas cette émission. Même si quand même déjà tu es... Il n'y a aucune chance. Ousmane, on va te dire que tu es bien entouré. Hein, parce que Mariam, honnêtement, c'est... Déjà, la visibilité commence. Parce qu'aujourd'hui, nous, on ne dira pas qu'on te connaissait pas. Fois. Mais on te connaissait moins. Mais aujourd'hui, on t'a connu beaucoup à travers la télévision. On va te connaître. Et tu es bien entouré. Et n'essaie pas de te débarrasser de Mariam. Mais non, déjà, Mariam, c'est... Voilà. Parce que Mariam, déjà, elle est star. C'est... Elle est star, déjà. Voilà. Donc, la voix à tes côtés. Je voulais pas elle dire, est déjà je star je aussi. Je voulais pas dire ça. Il y a un gars qui est jaloux. Je voulais pas le dire. Il a lâché. Il n'y a pas de problème. C'est une histoire de famille. On laisse couler comme ça. Voilà, c'est une star dans le milieu. Donc, vu que tu es dans le milieu avec est-ce nous... Est-ce que je suis le championnat guinéen? Je ne sais pas, Gassim, c'est aussi, quoi ton je suis histoire le avec le numéro 30 ouais. C'est Messi qui t'a inspiré numéro 30. Oui. Non, quand je suis parti en Émirats, je voulais porter numéro 33. D'accord. Parce que j'avais porté un numéro 33 en Tunisie. Je voulais porter numéro 33. Ils m'ont dit non, le numéro 33 est occupé. Donc, vous pouvez regarder 99 et 90. J'ai dit, c'est quoi ça, 99-90? Je ne peux pas prendre. En tout cas, je ne suis pas un basketteur. Tu n'es pas Ronaldo. Il y a un numéro 30. C'est pour cela que j'ai pris le numéro 30. Numéro 30. Qu'est-ce qui vous a amené de ce côté? Est-ce que c'est toi-même qui avais décidé finalement de quitter Sfax? Ou bien c'est parce qu'il n'y avait plus de place à prendre? Oui. Le problème financièrement, c'était pas en place. C'était un peu compliqué. Ok. Et vous savez aussi, au Maghreb, il y a toujours un quota réservé aux joueurs étrangers. Ouais. Donc, quand on arrive à ce nombre-là, on ne peut pas. Ousmane, est-ce que tu es en contact avec certains internationaux en ce moment, de Syrie nationale? De Syrie nationale, non. Tu n'es pas en contact avec aucun joueur? Non. Est-ce que tu suis le championnat guinéen? Non. Ah, mais il faut suivre le championnat. Hein. Les jours d'aujourd'hui, tu as tous tes papiers qui sont arrêtés. Aux Émirats, ouais, mais il y a Espace Foot, il y a Guinée Foot. Bien sûr. Il y a Kakoulima Info, tu peux suivre les sites quand même. Et la PC. Bon, les sites, oui. Oui, les sites. Mais elle parle de suivre les matchs en Guinée. Ah, le 3 jouer. On ne va pas dire la saison. C'est la pré-saison. Ouais.
Ah, vous êtes en vacances en ce moment? De combien de mois? Donc la pré-saison, ce serait. Ah, vous êtes là pour un mois. Et vous avez rencontré la famille? Oui, vous êtes d'où? Vous êtes d'où? Kagbélé. Kagbélé, quelle partie? Kagbélé. Non, on parle de l'intérieur du pays. Vous êtes de Boké, Kankan. C'est un fruit de Dublin. Un village. Boké. Ah, voilà. Kagbélé, quel endroit là-bas? Quel quartier? Quel parti? Non. Certainement, tu as joué derrière la gendarmerie là-bas, le terrain qui est là-bas, non? Tu as joué là-bas? Non, je n'étais pas là-bas, j'étais à Kipé après. Ah, ok. C'est la famille. Il est de Boké. Ok. Ah, oui, ça pouvait être un bon produit pour le Wakri. Peut-être que le Wakri a pu te recruter. Non. Wakri, c'est ouvert, c'est comme ça. D'accord, maman. Il n'est plus du niveau du Wakri. Oui, mais Moustapha Kouyaté, il est là, il va être champion de Guinée. Peut-être qu'il va finir champion de Guinée. Moustapha Kouyaté, il est allé à Oman. Voilà, il est revenu en Guinée. Il est important. Est-ce que tu suis les études avec le football? C'est lié. Il ne faudrait pas abandonner, parce qu'à 22 ans, c'est encore... Oui, je fais l'anglais, je fais formation en anglais. Ah, okay. Ça, c'est très bien. Good. Good. Super. Good, very low. Non. Al-Gassimo, il va parler léonais. Hein. C'est bon, là? Great. Va parler léonais. Great? No. Oh, it's great. OK. God is good. God is good. Mm-hmm. Dieu est bon. T'as compris ça quand même? Non, ça, au moins, ça, c'est bien puis, dit. En fait, je comprends l'anglais, mais quand tu parles le créole, je comprends pas. Ousmane, tu es avec des Africains dans ton équipe? Tu es le seul Africain? Non, je suis. Il n'y a pas de problème d'adaptation? Non, il n'y a pas de problème. Ah, vous parlez quelle langue dans l'équipe? Il y a français là-bas. Oui, il y a Pianich, par exemple, qui parle bien français. Il y a l'arabe. Il y a l'arabe, il y a l'anglais, il y a français. Uh-huh. Et cette saison, vous avez remporté 4 trophées. Ça vous dit quoi? Ça veut dire que votre saison, elle est plus qu'une réussite. Hein? Ah ouais. Et 4 trophées. Et toi, on me dit que tu as remporté 2 trophées individuels. Deux trophées individuels et l'homme du match. Deux fois homme du match. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est énorme ça. Hein. Mm-hmm, c'est énorme. Pour un jeune footballeur, ça va. Le championnat, comment ça se passe? Nous, on ne connaît pas le championnat. Combien de clubs? Combien de journées? Les Émirats Arabes. 14 clubs et. Okay, 13 journées, non? Ah. 26. Mm-hmm. 13, 26. Il y a d'autres Guinéens qui sont là-bas. Hein. Il y a même Omar Keita. Omar Keita, vous êtes vu parce qu'il va jouer la première division. On s'est vu, on parle bien et on se voit tout le temps. Omar Keita, ancien du Wakria. Il y a au moins 5 à 6 joueurs guinéens là-bas. Ils ne sont pas tellement nombreux, mais il y en a quand même. D'accord. Parmi lesquels je peux dire que c'est le mieux placé. J'ai rencontré pas mal. Oui, il y a beaucoup de Guinéens là-bas. La première division quand même. Les autres. Est-ce que vous... Abdoulaye Kondé aussi, qui est à Diba. Ils sont tous là actuellement. Mm-hmm. Est-ce que vous rencontrez des problèmes là-bas entre vous, les Guinéens? Est-ce que vous voyez de temps à autre, à part Omar Keita? Bah oui, je vois. On discute. Je ne sais pas là, si tu veux les voir, tu parles chez lui. Ouais. Ils sont souvent là-bas. Il est le chef, quoi. Ouais, il est arrivé avant eux. Sûrement, il arrive avant eux pour être. Quand bien même, il y a Oumar Zando aussi qui réalise une très bonne saison. Oui, avec son club a été promu. Donc, Là-bas, ça paye bien. Hein. Oui. Ça paye bien. Donc, si vous faites un chèque de 2 millions d'euros, après. Non, on va raccrocher. Ah, mais toi, tu es entraîneur. Sinon, j'allais signer un contrat là-bas pour aller apprendre comment entraîner au moins. Mais malheureusement, on est dominé par. Tu as raccroché par ça, avec ça aussi? Non, même ça. Le coaching? Non, j'ai laissé tout. Non, c'est pas, tu es claqué. Non, j'ai laissé tout. Moi, je fight comme Kabadjawara, même si je ne peux pas, je force. Allez, si on pouvait faire un dernier tour au stade Petit Sori, puisque le Afia mène 3-1 et le Oréa aussi gagne 2-1. Mm-hmm. Donc, voilà. C'est le chassé avec un croisé. L'Afia va être champion de Guinée avec un point. Oui, je ne sais pas, les historiens vont nous départager, mais je ne sais pas en quelle année il y a eu ça. 2014. Un point. 2014. Entre l'Oréa. C'était la dernière journée. Donc il y avait un point. On va voir ça avec nos amis, hein, parce que le Afia, quand même, avec 50 points, c'est énorme. Hein. C'est historique. Hein. Voilà, c'est énorme aussi. Énorme, mais c'est petit par rapport à l'Oréa qui avait eu 63 points. L'Oréa, le record. Le record de points dans le championnat guinéen. C'est clair. Et l'Afia qui vient d'empêcher l'Oréa d'écrire une fois de plus d'histoire. Oui. Vous savez, c'est quoi? L'Afia avait enchaîné 8 fois champion de Guinée, 71, je pense 78. Et l'Oréa, cette fois-ci, vont se limiter à. C'est pourquoi c'est ce record-là que l'Oréa voulait. Mais... L'Oréa voulait le record, absolu. L'Afia avait enchaîné. Voilà. Ça, c'était l'année dernière, je pense, 64 points. Voilà, 64 points l'année dernière. Nyanya Barry qui a marqué pour l'Oréa. Même si là, vous marquez 100 buts à. Oui, mais il peut être meilleur buteur.
Ah non, 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 il est à l'UEM. Voilà, d'autres victimes. C'est Ibaba Mouradjou qui est le meilleur buteur du championnat. Avec 18 buts. J'espère qu'il ne va pas aller aux Émirats. Après, il y a Sarah Mamoudou Kanté aussi. Voilà les victimes. Tout ça, ce sont des victimes de Kabadjara. Allez, peut-être, allez, un dernier mot pour vous. 18 buts marqués. Rapidement, si aujourd'hui il y avait un message à passer à Kabadjara, lequel vous lui passerez? Oui, Ousmane. Ou bien vous laissez la main à Mariam Cheikh. Oui, je vais laisser la main. Moi qui suis le joueur. Non, mais parce qu'il te regarde. Tu manages. Parce qu'il te regarde. Ton choix, c'est de voir. Oui, ton choix dans l'équipe nationale. J'espère bien. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Même si lui, il se dit ne pas être prêt pour venir en équipe nationale. Pas prêt encore? On n'a pas de buteur. On a besoin de quelqu'un comme mais toi. Mais il aura son passeport avant de venir. On va venir. Oui, il a déjà son passeport. Ousmane Camara. Quand on a Ousmane Camara, on a Kierno Bari dans cette équipe. Je pense que la ligne d'attaque est là. Kierno Bari aussi, 22 buts. Il y a un autre jeune. C'est ça, Kierno Bari. Lui, son cas n'est pas réglé. Lui, au moins, on peut comprendre. Il est guinéen. Même si on peut. Mais Kierno Bari, il est guinéen aussi. Son papa est venu en studio. Il nous a dit qu'il. Lui, son cas n'est pas réglé. Il ne veut pas jouer pour la Guinée. Kierno Bari, au moins, il a la volonté de jouer pour le pays. On peut le comprendre. Pratiquement, on arrive à la télé. On va l'écouter. Ton dernier mot. Oui, rapidement, parce que là, on nous dit de... Ton dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Pour ceux qui t'aiment, qu'est-ce que tu as à leur dire? Pour ceux qui m'aiment. Mm-hmm. T'es fan, quoi, au fait, t'es fan. Ah, je vais dire à mes fans. Et donc, à continuer à me supporter. Donc, à continuer à me supporter. Là, je me bats et... Il est timide, c'est le contraste total. Hein. Il est timide à parler, mais il est explosif sur le terrain. Merci Ousmane Camara, merci Mariam Cheikh Mara, ça a été un plaisir de te revoir. Merci Mohamed Lamine Touré, Moussa Sifa Camara, Ousmane Mansari, nos envoyés spéciaux, Mamadou Baylou Silla, Mohamed Chérisso, Sada Petit Souris. On rappelle que le Apia mène 3-1 et à être sacré champion de Guinée. Merci à Mohamed Lamine Simakan. Côté radio, merci également à Didier Goumou et à Sekou Laré pour la régie télé. Nous, on se retrouve demain à partir de 6h40 et à 21h15 pour d'autres aventures sportives sur Yuma FM et Yuma TV.